Comment t'appelles-tu, mon fils? Giovanni Bosco. Ah, il faut que tu te mettes dans la tête que personne n'est orphelin sur cette terre, car Dieu est notre père à tous. Et nous sommes ses fils. Tiens, c'est pour toi. Pour que tu puisses te rappeler que tu n'es jamais seul, Giovanni. Nous, on étouffe dans cette cellule et vous, vous pensez à nous confesser? Il vaut mieux que vous dégagiez le curé. Il ne faut pas que cette prison fasse sortir ce qu'il y a de pire en vous. Vous êtes jeune. Vous êtes en droit de croire en un avenir meilleur. Et le désespoir, je l'ai vu dans leurs yeux. Comment avez-vous dit qu'il s'appelait? Don Bosco. Un vrai perturbateur. Tu pourrais aspirer à plus haute faveur, tu le sais. Non, la seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est de consacrer ma vie à ces jeunes. Aider ces jeunes peut te donner beaucoup de bonheur, c'est évident, mais aussi beaucoup de douleur. Aujourd'hui, j'ai fini par comprendre que le Seigneur me demande de fonder une congrégation. Une congrégation qui donnera aux jeunes la possibilité d'avancer. Même sans moi.